Eh bien, salut tout le monde, c'est Blush75 ou Blacky pour l'intime. Alors là, on se retrouve sur GTA V pour une petite présentation du DLC qui vient de sortir donc ce jour, le 10 juin, le mercredi 10 juin. Donc je me souviens plus du nom du DLC, mais on va l'appeler le DLC Richou, parce que tout simplement, si vous n'êtes pas encore d'accord, ce DLC va nous faire faillite. Voilà, tout simplement. Donc je me suis acheté la petite voiture qui s'appelle la Pegasi Osiris, qui est au prix tout de même de combien, je m'en souviens plus, très cher en tout cas, 1 950 $, 1 950 000 $ plutôt. Donc là d'ailleurs vous pouvez voir qu'ils ont complètement aménagé le site, qui est vraiment beaucoup mieux. J'ai l'impression qu'il a l'air plus fluide aussi, parce qu'avant il buguait à mort. J'avais, enfin en tout cas sur ma connexion, enfin sur ma co, c'était ça. Et là vous pouvez voir qu'en plus on peut le trier par prix, ce qui est plutôt intéressant. Et je sais pas si c'était il y avait ça avant, mais maintenant il y a cette phrase: vous cherchez une statine, vous cherchez une statine sur respectueuse de l'environnement, économique et pratique, cherchez ailleurs. Vous cherchez un aspirateur à salope, bienvenue, vous êtes au bon endroit. Non, je sais pas s'il y avait cette petite phrase au départ, mais en tout cas quand j'ai vu ça, ça m'a fait bien rire. Donc je vais vous montrer vite fait les autres voitures. Je vais peut-être pas toutes les acheter, parce que bon, je suis pas richou à mort, même si j'avais prévu le coup. Elles sont les nouvelles voitures. Ah voilà. Donc c'est la mise à jour Crime Pay, voilà. Donc il y a Lenus Windsor, donc c'est un peu comme une une Bentley quoi, je pense. Enfin, je sais pas, je me connais pas trop en voiture, mais je pense que c'est ça. L'Osiris, c'est une Lambo. Et après c'est quoi les autres voitures? Après on s'en bat les couilles des autres voitures, de toute façon elles sont moches, celle-là on les connaît déjà. Ensuite, au niveau des machines de guerre, il n'y a pas l'air d'avoir de nouveaux trucs. Et au niveau des avions, ouais, par contre il y a des nouveaux trucs, là au niveau des avions, ils ont cru qu'on était des richoux. Alors, le Luxor de luxe, plaqué or, 10 millions de dollars. Le Swift, 5 millions. Et voilà, c'est les deux seuls nouveaux. Donc autant dire que ceux-là je vais jamais les acheter, hein, parce que même si j'avais prévu le coup, j'avais 4 millions au départ, j'ai plus que 2 millions. Donc soit je fais des braquages, soit voilà. Donc là, ce qui m'a donné envie de l'acheter, parce que c'est quand même un coup, il faut avoir le mental pour l'acheter, hein, pour utiliser 1 750 000 $, faut quand même avoir les couilles. Donc moi ce qui m'a donné envie de l'acheter, c'est déjà qu'elle soit plus rapide que la Zentorno, qui est pour moi la voiture la plus rapide du jeu, la Zentorno, après la... Je pense qu'elle est un petit peu plus rapide que la ADR une fois qu'on l'a améliorée à fond. Et même celle-là, quand elle n'est pas améliorée, elle est plus rapide que la Zentorno. Donc j'imagine bien comment, quand elle sera améliorée, à mon avis, elle va faire un carnage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans un magasin de vêtements pour aller voir ce qu'il y a de nouveau. Et qu'après on ira à la custom pour la tester. Et peut-être que j'achèterai une autre voiture si j'ai les couilles. Pour le moment, je les ai pas encore, elles sont en train de préparer. Voilà, donc on va essayer de trouver un magasin de vêtements. Et de ne pas prendre trop de murs. Donc à première vue, cette voiture a l'air très rapide, même pas améliorée, même quand elle n'est pas améliorée. Et en plus, elle me semble, enfin en plus, ce qui est moins bien, c'est qu'elle me semble pas très maniable. Et oui, la petite nouveauté, je sais pas si je l'avais montré au début de vidéo, c'est qu'elle s'ouvre comme ça. Donc c'est plutôt cool, enfin, c'est plutôt stylé. Même si bon, voilà, ça sera pas vraiment à grand chose, mais ça donne un petit plus dans le style. Et voilà, c'est plutôt cool. Donc oui, je vous rappelle qu'on est sur PS4 bien sûr. Et puis voilà. Donc on va se diriger tranquillement mais sûrement vers la boutique de vêtements. Tac tac tac, c'est parti. Donc oui, j'ai vu qu'il y avait des gens qui ont mis des commentaires comme quoi ils voulaient rejoindre mon crew. C'est possible. Dans la description, dans toutes mes vidéos, je mets le lien de mon social club. Donc vous pouvez me trouver dans le... Enfin, trouver mon profil sur le Social Club. Et normalement trouver mon crew. Et normalement le rejoindre, parce que je crois qu'il est ouvert. Ou alors, s'il n'est pas ouvert, faites-le moi savoir. Hein, je peux vous accepter, il n'y a pas de souci. J'accepte tout le monde, de toute façon on a de la place. Donc on ne sent pas les steaks. Le magasin c'est où? Ah c'est là. Mais c'est vrai qu'elle a pas l'air très maniable, j'ai l'impression qu'elle tombe pas bien. Donc après c'est peut-être parce que je l'ai abîmée. Non c'est vrai, j'ai l'impression qu'elle tombe pas très bien. J'ai l'impression qu'elle fait juste de la vitesse. Ouais, c'est à mon avis, c'est pas qu'une impression. Alors c'est peut-être parce qu'il pleut, je sais pas. Bon, on va voir les nouveaux vêtements.
Donc moi je suis avec mon personnage meuf, je me suis mis en mode un peu alerte à Malibu, je sais pas si vous avez remarqué l'effort du style. Alors, on va aller voir déjà les tenues qu'ils proposent, les tenues prédéfinies qu'ils proposent, parce que souvent elles sont assez stylées. Donc c'est la tenue truc des designers. Ouais, pas mal. Donc il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça s'est fait bien, tenue urbaine, ça. Bref, bof, bof, bof. Bof, putain, par contre, elles sont chères. Hein. 60 000 la tenue. Ça fait mal au cul quand même. Hein. Putain. Je vais peut-être en acheter une parce que ça fait mal au cul quand même. On va voir un peu les autres. On va voir par là. Alors, t-shirt designer. Peut-être qu'ils sont moins chers ceux-là. Le chien, Paris. Ah, attention. RPZ de la France. Paris, comme tu sais, 75. Ok, Sébastien, je sais pas quoi. Bon, ok. Ils ont pas fait un truc de fou. J'ai l'impression, ils ressemblent un peu. Ces t-shirts-là ressemblent un peu à des t-shirts Louis Vuitton, j'ai l'impression. Enfin, la couleur, surtout. Après, voilà. Oula, qu'est-ce qu'ils ont fait là? D'accord. Bon, bof, pour les t-shirts, c'est un peu de la merde. Enfin, bon, après, c'est mon avis. On pouvait très bien aimer, mais moi, j'aime pas trop ce qu'ils ont fait comme t-shirt, personnellement. Les jeans, pantalon cuir, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, bon, ils se sont pas trop foulés. Je vais prendre un pantalon rouge, tiens, ou noir. Rouge, allez. Attendez, faut que je fasse attention au temps parce que, comme vous le savez peut-être, si vous suivez mes vidéos, je dois couper toutes les 15 minutes. Voilà, ah, il y avait ça aussi de nouveau. Ouais. Ouais, mais du coup, faut que je m'achète un haut parce que là, ça va pas du tout avec mon truc, là, ce que j'ai. Donc, non, c'est moche, ça. Ça, c'est moche. 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 Bikini, plus tard. Tiens, on va mettre un petit truc. On va s'habiller en femme, tu vois. C'est les reines du shopping sur GTA, mon gars. Allez. Oh, pas mal, comme ça. Tac. Voilà, et je mets un petit manteau pour finir. Comme ça fait pas mal. Là, ça me semble bien. Bon, voilà. On verra plus tard pour les chaussures, j'ai pas assez de fric. Allez. Donc maintenant, on va partir custom la voiture. Il me reste combien? 1 984 000, ça va. Il me reste encore pas mal de sous, même si c'est pas grand-chose hein, maintenant dans le jeu, 1 million. Vu que tout le monde a 50, 150 millions, tellement tout le monde fait des lobbies. Et qu'en plus, bah, c'est tellement cher que 1 million, c'est devenu banal pour un mec. C'est où le tuning? C'est là-bas. Donc à 21 h, ouais, faut que je coupe. Donc je couperai, oula, et je relancerai inconnu, ni vu ni connu. Donc vous en parserez même pas. Enfin, si, quand même, mais voilà. Donc je vais essayer de la tuner avant de couper, si je pourrais. Enfin, si je peux. Ouais, si je peux. Non, si je peux, oui. Je suis un peu nul en français déjà. Voilà. Donc, c'est parti. On va mettre tout à fond de toute façon, on va pas se casser la tête. Ah, par contre, les pare-chocs, on va peut-être changer. C'est lequel le mieux? Pourquoi il est rose? Ah non, c'est la lumière. On va mettre celui-là. On va mettre le plus cher vu qu'on est. Oh putain, j'ai pas mis le pare-choc arrière. Bon, on va mettre ça, vas-y, on est fou, soyons fous, on est riche de toute façon. Plus pour longtemps, mais on est riche. Elle. Ouais, bon, on peut mettre ça si tu veux. Là, c'est bien, on voit bien les rétroviseurs. J'avais pas remarqué, mais dans certaines voitures, on les voit pas bien. Et là, c'est plutôt cool de voir les rétroviseurs. Je sais pas si ça se trouve, peut-être qu'on met en première personne, on peut voir dans le rétro. Je vais vérifier ça juste après. Alors déjà je peux mettre l'emblème du crew. Vous pouvez me donner vos avis dans les commentaires. Je tiens à préciser que c'est pas moi qui l'ai fait l'emblème. C'est un truc sur internet, on peut le mettre comme ça, c'est un bug. Parce que bon, j'ai pas les talents pour faire un truc comme ça moi. Ah, ça peut être pas mal en blanc et rouge comme ça. Hop, couleur principale, on va mettre un rouge mat. Ça peut peut-être être pas mal. Bon, ouais, au pire, je verrai plus tard pour le tuning. De toute façon, je la ferai tranquillement. Alors, elle se vend combien?
Quand même, 1 240 000. Ça, à mon avis, les mecs qui vont vouloir faire des glitches de duplication, ils vont se faire plaisir. Là. S'ils veulent la revendre. En blanc ou en rouge. Ouais, en rouge. Aileron. Ah, ouais, je sens, je l'avais senti, le grand aileron. Moi, je vais prendre un plus petit parce que sinon, ça fait trop Jackie de Lille. Enfin, Jackie le du Nord. Pas Jackie et Michel, hein, mais Jackie du Nord, quoi. En gros, Paul Walker et tout. Turbo, type de roue. Bon, on mettra plus tard les jantes. On va plutôt mettre les pneus par balle pour le moment. Pneus par balle. Fumée crew, on s'en bat les couilles, on verra plus tard. Fenêtre teintée, bien sûr. Nous, on vient de la mafia et tout. Bon, c'est vrai qu'elle est classe quand même la voiture. Et putain, elle est rapide en plus. Hein. Oula. Ah, elle dépasse largement la jeune Torneau là. Mais bon, je sais pas ce que ça doit donner sur PS4, sur PS3, parce que déjà moi, quand je conduisais ma Zen Torno, les textures buguaient, mais si avec cette voiture qui va beaucoup plus vite que la Zen Torno et les textures buguent pas, oublie pas. Oh putain. Enfin, si je retombe bien, c'est cool. Pas mal. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ah oui, je voulais aller à l'Illumination pour voir s'il y a des nouvelles armes par hasard, ce serait cool de voir ça. Vite, faut que je coupe, vite fait. Ok, attendez, on va s'arrêter là et je reprends dans même pas 2 secondes. Ok, les gars, on est reparti. Donc on va se diriger vers la Munition, qui est vers où? Qui est par là, je crois. Si je me souviens bien de la map. Savoir que ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas joué à GTA et même à la Play en général, étant donné que le brevet approche. Bon, après c'est pas vraiment une raison, hein. C'est pas parce que je joue pas à la Play que je révise plus le brevet. Non, mais bon, c'est que j'avais la flemme de jouer. Puis de toute façon, surtout sur PS4, il n'y a pas grand monde. C'est ça qui me fait un peu chier. J'ai pas Shark, j'ai pas Gravity, j'ai pas toutes ces personnes là. Ce qui fait que bah, du coup, ça donne pas trop la motivation pour faire une vidéo sur PS4. Et puis ça me fait un peu chier de faire une vidéo sur PS3 étant donné que j'ai la PS4. Et donc voilà, c'est tout. Donc attendez, on va bien se garer comme ça, tu vois. On va faire si on est des mecs propres. Tu vois, un mec de la street. Imagine, tu vas au bled comme ça. Dans ton bled, je sais pas, péta au schnock, n'importe quel bled. Le bled du blédard ou le bled du franchouillard, comme tu veux. Et bah, tu verras jamais une voiture comme ça là-bas. Alors, les nouvelles armes. Est-ce qu'il y a des nouvelles armes? Et bah, visiblement, non. Il n'y a pas de nouvelles armes. Mis à part, non, ça c'est pas nouveau. Peut-être à gauche. Non, généralement ils les mettent à droite les nouvelles armes. Non, il n'y a pas de nouvelles armes. Ce qui me semble bizarre, mais pas étonnant de la part de Rockstar, parce que on sait pas où ils la mettent, les 4 Go de mise à jour, hein, les Rockstar. Hein. À part pour 4 Go pour ajouter une voiture, enfin quelques voitures, c'est pas un truc de, c'est quand même un truc de fou. Hein. Bref, c'est pas trop grave. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu chiant. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu chiant d'attendre autant de temps juste pour 4 voitures, quoi. 4 voitures, 3 avions, que tu pourras de toute façon jamais t'acheter. Sauf si t'as fait un lobby, hein. De toute façon, il y a plein de vidéos de mecs où tu les vois, ils ont 50 millions. Bon, moi je vais pas me plaindre, j'ai pas mal de fric, mais bon, même avec 1 650 000, tu fais rien sur GTA, c'est ça qui est chiant. C'est ça qu'ils comprennent pas, Rockstar. Ils veulent te faire payer la boutique, 1 million c'est 14 euros, je crois, le truc. C'est impossible, genre. Attends, tu payes déjà le jeu 70 euros, ils pourraient te passer un peu d'argent quand même, ou mettre les trucs moins chers. C'est comme ça que ça va faire chier les gens de jouer à GTA. À force de faire les missions, de les refaire à chaque fois et tout, c'est comme ça que ça va leur faire chier, et ils vont arrêter de jouer et après voilà. Donc j'imagine qu'il doit y avoir des nouvelles missions, mais on va pas les faire parce que bah. Balek, de toute façon on n'a pas le temps. Enfin, j'ai pas le temps, j'ai pas montré toutes les missions. Et puis, peut-être que j'en ferai plus tard par la suite avec des potos genre Tinois, Arturo et tout, je sais pas si vous les connaissez, vous qui êtes nouveau peut-être sur la chaîne, mais en tout cas les anciens les connaisseront, les connaissent, oui c'est ça. Et donc voilà, donc du coup maintenant mes couilles sont apparues, donc on va t'acheter un autre véhicule. Putain, par contre désolé, j'ai l'écouteur qui me fait mal aux oreilles là. Voilà, je l'ai remis bien, c'est cool. Ah oui, donc il y a la Benefactor Stinning aussi. Elle m'attire pas trop. L'Albany Virgo non plus. On va plutôt acheter celle-là. En fait, c'est... Ouais. On va acheter celle-là. Donc là, je peux choisir laquelle je veux.
Donc moi je pencherais plutôt pour une couleur un peu. J'imagine qu'on peut changer après, mais je pense que j'aimerais prendre celle-là et après je changerai la couleur. Ça peut faire stylé une couleur comme ça. Elle coûte combien? 845 000. Oh là là. Putain, aussi cher qu'une ADR quoi, presque. Ou une aussi cher qu'une. Attendez, elle va à combien de kilomètres heure cette voiture? 305 km/h. C'est vrai qu'elle est plutôt rapide quand même. On va regarder par rapport à la Turismo par hasard. 340. Elle est un peu moins rapide que la Turismo. Ouais, bon, c'est pas mal déjà. 305 km/h, c'est déjà pas mal. Sachant que si je l'améliore, elle fera à peu près à la même vitesse que la Zentor, que la Turismo, je pense. Donc on va acheter ça, voilà. Si vous commandez, voilà. Popular Street, donc vous pouvez voir que j'ai trois garages. Je sais pas si on peut en acheter un quatrième. À vous de me le dire si jamais vous avez les sous. Voilà. Et on va attendre qu'elle arrive pour que je la commande une autre. Donc attendez, je vais prendre cette voiture. Donc franchement, oui, celle-là, pour conclure, celle-là, elle est pas mal. Elle est super, elle est rapide. Mais sauf que bon, elle est pas très maniable. Par exemple, imaginons, je vais tourner là. Je suis obligé de faire un putain de gros drift pour tourner. Alors qu'avec une autre voiture, normalement ça devrait passer. Pour ça, c'est ça que j'aime bien dans la Zentorno. Il y en a qui disent qu'ils l'aiment pas parce qu'elle est pas maniable, mais moi je la trouve bien. Je suis habitué à la Zentorno. Bon, celle-là, je pense qu'au bout d'un moment, à force de la conduire avec, on va s'habituer. Mais c'est vrai qu'elle est pas hyper maniable. Enfin, je trouve en tout cas. Attendez, on va essayer de tourner là. Oh, quoi que, je sais pas. On s'y fait en tout cas. Bon, voilà. Alors attendez, on va se séparer de la voiture. Mais bon, je pense que cette voiture peut faire des ravages dans les courses. Après ça dépend quel type de course, mais bon. Sinon au niveau du physique, rien à dire, elle est super belle. On dirait que je parle d'une fille là. Bref, voilà, donc elle est très belle cette voiture. Et voilà, donc on va attendre que l'autre arrive. J'espère qu'elle va arriver vite. Je sais pas combien de temps ça fait que je fais. Ouais, 5 minutes, ça va. J'ai pas envie de faire une vidéo de 40 minutes non plus, donc je vais essayer de me dépêcher vite fait. On va juste la tester comme ça, je sais pas si on va la tuner, je sais pas si ça vous intéresse de toute façon. Je vais juste la tester comme ça avec vous, pour ceux qui n'auraient pas le jeu. Donc oui aussi, n'hésitez pas à me proposer des 1v1, là ça va recommencer si vous êtes chaud. Ça dépend que de vous, hein. Si vous ne me proposez pas de défis, je peux pas vous faire de vidéos de plus. Vous avez survécu à la prime. Ah d'accord, super. Donc, tant que vous ne me proposez pas de défis, je pourrais pas vous en faire. Je sais qu'il y en a qui sont en liste d'attente, donc notamment celui d'Aurélien. Donc, je vais pas dire tout son prénom parce que voilà. Mais il se reconnaîtra. Je sais qu'il y en a un autre de Monsieur Sniper, je sais plus quoi, là, X12, je crois. Donc tout ça se fera. Donc pour ceux qui. Tous ces gens-là, je vous ai contacté sur Skype. Parce que j'ai déjà votre Skype. Donc, n'hésitez pas à checker votre Skype pour qu'on se fixe une date. Parce que bon, je suis pas tout le temps là et j'imagine que vous non plus. On a tous un peu du temps chargé. Et donc voilà, donc si jamais vous avez envie que ça continue et que ça recommence, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, bah n'hésitez pas à participer et à essayer de me défier. Je sais pas, entraînez-vous à un jeu et après me défiez moi, tu vois, genre normal, tu vois. Ça, et puis voilà, ce serait cool. Ce serait cool. Voilà, c'est tout ce que je me demande. Enfin, de connard. Alors, est-ce que la voiture elle arrive là? Qu'est-ce qu'il fait le mécano là? Je sais plus comment elle s'appelle la voiture. Eh, hey, tu te calmes, Bobby. Popular Street, alors elle s'appelle. Bah, elle est pas encore arrivée. Alcalari, Alpha, Detroit. Non, je sais pas. Ah, ouais, comme par hasard. Quand je raccroche, ça c'est tout le temps GTA, ça. Quand je raccroche, elle arrive. Ça c'est la logique GTA, ça. C'est waouh. Tout le temps comme ça. Alors, hein, voilà, Windsor, c'est la Windsor. Parfait. Putain, y a du peuple là, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Hop là, on va faire un petit carnage. Boom! Yeah! What the fuck? Putain, par contre, j'ai attiré les flics. Oh, il m'a niqué ma voiture, enfoiré. Oh. Je te laisse partir pour cette fois. Bon, là, comme ça, en violette, comme ça, elle fait un peu Jackie Tuning, mais bon, c'est plutôt stylé quand même. Oula! Putain, elle a un peu de mal à. Elle était rapide, mais au départ elle est lente, hein, putain. Elle est lente la cochonne. Ah bah là je suis à contresens, en plus j'ai les flics donc du coup. Oh putain. Voilà.
bref. Putain, je vais tuer là. Bon voilà, je vais zapper les tatouages parce que de toute façon ça sert pas. Enfin, on s'en fout un peu des tatouages, je pense que vous en foutez un peu. N'hésitez pas à le dire si pour le prochain DLC vous voulez voir les tatouages, mais bon, je pense pas que ça intéresse quelqu'un. À part les tatoueurs, si vous voulez. Je sais pas si j'ai des tatoueurs qui regardent mes vidéos. Je ne pense pas. En tout cas, merci les Belges d'avoir. D'avoir signifié. Non, je sais pas comment dire. D'avoir dit que vous étiez là, quoi. Je sais pas comment, je suis pas français en fait. Je crois que je suis belge en fait, moi aussi. D'avoir dit que vous étiez là dans la vidéo que j'ai faite précédente. Enfin, dans la vidéo précédente que j'ai fait. J'ai eu pas mal de commentaires comme quoi. T'inquiète, RPZ les Belges y représentent et tout, on est là et tout. J'ai même quelqu'un qui m'a dit t'inquiète, en plus samedi, puisqu'il y avait le match France-Belgique, on va te niquer. Le match de foot France-Belgique et tout, on va te niquer. Ce qui est vrai, vous nous avez bien niqué, mais en même temps, on n'était pas chaud. Ils ont fait de la merde, les Français en plus. Enfin, d'après ce que j'ai entendu, parce que j'ai pas vraiment regardé le match, moi. Enfin, j'ai regardé, mais vite fait, quoi. Et donc voilà. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là, cette voiture. Je pense que je l'ai acheté un peu pour rien parce qu'elle est un peu pourrie, franchement, j'aime pas trop. Après, ça dépend un peu de la. Si je l'améliore, peut-être qu'elle pourra être mieux. Mais bon, on verra bien. Donc, si jamais il y a des hackers aussi, je veux bien un lobby. non, je déconne, j'ai pas envie de lobby, c'était juste pour m'acheter l'avion. Donc, si jamais il y a un mec qui peut me passer un avion ou me passer des sous, je veux bien juste 10 millions, comme ça je m'achète un petit avion. Et après, voilà, c'est tout. J'irai. Voilà. Mais sinon, voilà, je m'en fous. C'est pas grave. Allez, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo t'aura plu ou vous aura plu si vous êtes plusieurs à la regarder en même temps. Tu vois, c'est cool. Hein. De regarder à deux une vidéo, c'est plutôt stylé. Enfin bref, moi je regarde pas ça à deux. Je regarde tout seul dans ma chambre et tout. Bref, je m'emporte. Donc voilà, je vous dis bonsoir ou bonjour ou bon matin. Je sais pas, peut-être que tu regardes la vidéo le matin, je sais pas. Donc voilà, salut. Et bonne continuation sur YouTube. Allez, salut. 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 T'as cru que j'étais parti, hein? Salut. Allez, bon, salut. Ok, j'avoue, salut. Allez, au revoir, voilà. Bon, j'arrête.